en marquant son premier but de la saison le week-end dernier. Oui, une très bonne équipe de Saint-Gilles qui arrive dans la formation. Équateur, il peut être très très rapide aussi. Et Mathias Laborde. L'arbitre titulaire ce soir, c'est l'Américain Mark Allenton. Cinquième match dans sa carrière dans la Ligue MLS. C'est parti, les Whitecaps de Vancouver en blanc, les Earthquakes de San Jose en meilleur. Et ensuite, sur Martins. Le coup de tête de la part de Kamp. Même destin l'an dernier, mais ça va encore attendre Sébastien parce que c'est Gressel pour les Whitecaps. Gressel dans la surface de réparation, c'est très très bien joué. Et ça finit au fond des filets. Un premier but pour les Whitecaps. Et c'est parti. On voit la Mensa qui trouve Gressel au milieu. Bonne pression. Et ensuite il manque la passe. Qui arrive sur Gressel. Gressel qui est vraiment superbe passe. Pour Schoff continue un peu. Hein. 1-2 un peu long. Mais superbe passe. Super contrôlé. Il réussit de la mettre du pied juste avant que Daniel sorte. Et ça fait 1-0 pour Vancouver. Mais pour moi, c'est vraiment la corner joué à 2 avec Montero. On fait court. Deuxième corner. C'est parti dans la surface de réparation. Montero, quel arrêt! Quel arrêt du gardien japonais Takaoka. Mais ils ont joué à deux entre Montero et Espinoza. C'est Espinoza qui retrouve Montero. Montero qui se trouve son pied gauche. Il met un très bon centre. C'est Trueco qui a la tête au point de pénalty. Mais il n'arrive pas à mettre un peu plus de force dans ce ballon. Il est un peu au milieu. Montero qui va peut-être essayer de faire un centre. Ou peut-être voir aussi une combinaison. La frappe à côté de la part des Earthquakes. Mais seulement 3 tirs cadrés. Seulement 4 tentatives de la part des Whitecaps, mais il a fini le travail. Allez, c'est parti, deuxième période. Son deuxième match dans la MLS, il était remplaçant. On voit Capo qui prend sa place en tant que... Je te parle de la Ligue des Champions, c'est un champion de Seattle Sounders qui avait gagné la Champions League contre CACAF l'année dernière. Surface de réparation! Et enfin, San Jose perce la défense de Vancouver. Égalité! Bobby C qui marque son deuxième but de cette saison. On revoit un peu le coup franc un peu joué à deux et Montero qui se balance flottant dans la surface. Mais waouh, quel coup de tête de Bobby C qui est vraiment célèbre. Qui arrive à bien cadrer en pleine lucarne. Pour lui d'avoir inscrit son premier but de cette saison pour les Whitecaps. De la MLS, on va voir un changement côté San Jose aussi, mais pas tout de suite. C'est pour Marie qui relance à l'attaque à côté de la surface de réparation. Carl Espinoza. Espinoza! Acapo! Attention! Voilà! Acapo! Deuxième! Quel but d'Acapo avec un ballon qui est parti et qui a touché tous les joueurs offensifs. Et Bobby C, on voit ça part sur le côté gauche. Jules qui fait un Coel qui rentre à l'intérieur, qui fait un Bobby C, qui trouve Espinoza en deux touches, Acapo et il finit. Avec un tir puissant du coup du pied et qui vraiment surprend Takaoka qui ne pensait pas avoir autant de puissance sur ce tir. Et maintenant ça fait 2-1, mais quel but! Première fois qu'on voit un mouvement. Et sur la droite, c'est parti, les Whitecaps. Le centre, talonnage, Cordova qui cherche à frapper, c'est Tybert, quel arrêt, Daniel! Tybert qui a réussi d'avoir le premier poteau, mais il a bien réagi sur cette frappe. Alors que. Il n'y avait que deux joueurs de Vancouver dans la surface et au moins 5 ou 6 joueurs de San José. Petit droit, le bout de droit qui sauve les Earthquakes. C'est vrai qu'il a réussi. Et on a entendu les supporters huer dès qu'ils ont vu les 7 minutes du temps additionnel. Oh, quel arrêt! Takaoka vient de sauver ce match pour les Whitecaps. Quel arrêt! C'est le troisième but. Encore une fois, le corner super bien joué. Kanovic était à bout portant. Vraiment, un autre corner comme ça.